Allons ici, regardez. Comme j'ai expliqué à vous de la lumière, on sait que les rois, ils maudissent les noms divins qui sont de Dieu. Là, là, ça arrive que je joue à ça, regardez. Donc j'ai le jeu, hein. J'ai le jeu, regardez. FIFA 20. Mais ce qui est flagrant dans FIFA 20, c'est surtout aussi sur l'équipe Paris, l'équipe Paris. Donc ça, ça vous trahit parce qu'on on vous explique, vous pouvez vérifier hein, de vous-même. Hein. On vous dit, vous pouvez choisir votre avatar. Mais il faut comprendre, ils mettent l'équipe Paris de Marduk. Mais tous ceux qui sont, donc qui on vous explique qu'ils représentent l'équipe Paris, donc où on voit le nom avatar, et en plus ils maudissent, parce qu'il faut comprendre sur ça. Souvenez-vous que j'ai montré sur ça que le nom avatar est lié au monde Horus, n'est pas lié à la religion, n'est pas lié à Marduk. Donc tout ça vous trahit, vous volez des noms, et vous inversez, vous créez des mensonges. Mais il faut comprendre comment se fait-il que tous les maillots, sur tous les maillots de Paris, on voit que le nombre 9, 9, 9, 9, 9, 9. Est-ce normal tout ça? J'ai mis mon nom à l'intérieur du jeu. Et je joue. Et je vais contre eux. Vous avez compris sur ça, je vais contre eux. Et je peux choisir plusieurs d'autres équipes aussi. Comme aussi, je défends aussi Monaco, le nom Monaco. Vous avez compris sur ça. Et de l'autre côté, je vais contre Paris. Vous avez tout compris sur ça. Puisqu'ils maudissent, ils vont contre le nombre 9. Et qui fait le lien, comme j'ai expliqué, que les dieux et les anges, ils vont contre eux aussi. Ils vont contre les religieux. Que quand ils créent les jeux 666. Mais moi, ici, sur terre, à l'enfer du Christ, j'ai pouvoir. J'ai un grand pouvoir contre eux. Parce que toi qui vous trahis, les religieux du Christ, pourquoi aussi ils ont mis PlayStation? Regardez, PlayStation. Pourquoi ils ont mis le nom Xbox? Parce que ça vous trahit, parce que ce nom Xbox est de Dieu. Il n'y a pas que Xbox One, hein? Il y en a d'autres de Xbox. Là, on parle de jeu. Vous avez compris sur ça. Et bien sûr, il n'y a pas de jeu démon au monde Horus. Il n'y a pas de jeu démon, il n'y a pas de sortilège et de sorcellerie. Et on ne prend pas les noms des joueurs qui existent au monde Horus et on les met pas à l'intérieur du jeu. Vous avez compris sur ça. C'est Marduk qui fait ça, que quand il met des noms qui sont... Parce qu'il y en a qui sont de Dieu, qui sont au football. J'ai montré sur ça. Et il y en a qui sont de Marduk. Donc tout ça vous trahit. Et qui ne sont pas de Dieu. Il y en a qui sont de Dieu et il y en a qui ne sont pas de Dieu. Mais il faut comprendre que lui, Marduk, il a toujours fait des sortilèges et des sorcelleries dans ses jeux démons. Et il a toujours attaqué les élus, donc il sait qu'ils sont de Dieu Isis et il les a mis à l'intérieur du jeu 666. Vous avez compris sur ça. Donc là, je vais contre Paris et j'ai mis mon nom sur le maillot. Vous avez compris sur ça. Donc là, quand vous dites avatar, quand vous avez mis avatar, les salopes, la sale race de pute, en réalité, le nom avatar de Dieu va contre vous, les salopes, la sale race de pute. Vous avez compris sur ça. Donc regardez, voilà sur ça. Juste cause, regardez. Donc juste cause, voilà. Comme je vous ai expliqué, ils ont mis le nom Rico Rodriguez qui existe, qui est de Dieu Isis, qui est un élu, et ils l'ont mis à l'intérieur du jeu 666. Donc c'est à ça aussi. Ça arrive donc que je joue à ça. Mais je vais contre eux, vous avez compris sur ça. Voilà sur ça. Vous maudissez des noms qui sont de Dieu et vous faites des sortilèges. Et des sorcelleries. Le 23 mai 2020, Rico Rodriguez. Voilà ce que j'avais trouvé. Donc, je n'ai pas montré, mais je vous montre maintenant.
Et je vous montre aussi sur la manne blanche. Rico Rodriguez d'Isis se lève. Et qui donne 2016. Le 23 mai 2020, Rico Rodriguez d'Isis se lève et qui donne 2016. Le 27 mai 2020, fin de juger. Ils jugent, vous avez compris sur ça. Quand ils mettent les noms des élus de Dieu à l'intérieur du jeu 666 de Marduk, du dragon rouge, les reptiliens, les religieux, ils jugent les élus. Vous avez compris sur ça. Ils font que maudire. Ils maudissent les élus de Dieu. Le 27 mai 2020, fin de juger Rico Rodriguez. Donc vous n'allez plus juger Rico Rodriguez. Vous avez compris sur ça. Et qui donne 2016. Le 27 mai 2020, fin de juger Rico Rodriguez et qui donne 2016. Le 29 mai 2020. Patricia aide Rico Rodriguez. Donc, comme je vous ai expliqué, on voit très bien que dans ce jeu, on vous parle de la main noire. La main noire. Qui fait le lien avec Marduk? Le 29 mai 2020, Patricia aide Rico Rodriguez et qui donne 2007. Donc vite fait parce que je vais faire vite là parce que vu que je ne fais pas de vidéos trop longues, donc j'ai pas pris sur ça bien sûr, les vidéos de plus de 20 minutes. Donc je fais vite. Le 4 juin 2020, alors, Patricia a avalé la manne blanche. Il parle de manne, mais eux, les religieux du Christ, ils ne savent même pas la réelle définition et signification de la manne. Vous avez compris sur ça. Mais il faut comprendre que là, tout vous trahit, parce que Dieu confirme sa vérité divine. Ce que j'avais trouvé... Le 4 juin 2020, Patricia a avalé la manne blanche et qui donne 2007. Donc, je vous montre la suite sur la manne blanche de ce que j'ai trouvé.